Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la playlist sur l'épisode de Fallout 4. Donc, comme vous le sentez toujours, je suis encore malade pour cette vidéo. Par conséquent, au lieu d'en tourner toute une session, je n'en tournerai qu'un seul épisode et je tournerai le reste demain en espérant que ce soit mieux. Donc on fait continuer et je verrai que j'ai ajouté quelques mods, je ne les ai pas encore testés, que ce soit des textures, de meilleurs effets de lumière, etc. Plein de petites choses qui j'espère amélioreront notre plaisir de jeu donc dans ce jeu très complet, très correct, hein, très bon, qui est Fallout 4. Alors j'ose pas dire très bon parce que comme je suis plutôt fan de la série, on va dire, et du style, forcément j'ai pas envie de... J'essaie d'être le plus objectif possible simplement. Donc voilà, on verra bien ensuite ce que ça donne. Waouh. Alors déjà, je trouve que l'ambiance est bien meilleure. Vous voyez, au niveau des lumières, j'avais rajouté des choses. Et voilà, et maintenant, le Pip-Boy rajoute des ombres. Et ça, je trouve ça excellent. Ça, je trouve ça absolument excellent. Ils m'ont pas dit grand-chose chez Voltech. Juste ça, vous voyez, je trouve ça excellent. Tout le monde remplisse bien son formulaire. J'étais censé gagner un jeu de couteau à viande. Hop. Bon, par contre, là, oui, là, c'est stupide. Mais sur le principe, je trouve ça excellent. Ok, bon, qu'est-ce qu'on avait à faire? Est-ce qu'on a de la place sur nous? Oui. Qu'est-ce qu'on avait à faire à côté? Données. Détective en péril. Accéder au labo clandestin de Marowski. Ça, fallait le faire. Installez-vous dans la station mémorielle. D'accord, oui, je vois ce que c'est. Retrouvez Bobby à Diamond City. D'accord. Connaissance publique. Analyse publicité publique. D'accord. Bah écoutez, moi je pense qu'on va commencer par aller visiter certaines places, certains endroits. Avant d'aller plus en avant par la suite. Commissariat de Cambridge, non, je me trompe. Où est-ce qu'est. Là. On va aller à Diamond City. On va regarder vite fait certains endroits, voir si des personnages y sont. Parce qu'on m'a donné des... Enfin, suite aux épisodes précédents, on m'a donné une astuce. C'est qu'apparemment, l'asile, là, personne, asylum, là, il y aurait toute une quête avec potentiellement un objet important à chercher dans un endroit. On m'a pas dit exactement quoi. Donc en fait, pour rentrer dedans, il y aurait une quête à faire et un personnage qui apparaîtrait en fait dans des endroits... Donc le bar et l'auberge. Vous avez entendu parler de Covenant? Il paraît que c'est chouette, très propre. Mais il faut que je regarde les noms des personnes. Donc eux, non, par exemple. Il faut que j'aille voir à la maison coloniale et au bar. Et dans le bar aussi de... Oula, je peux couper ma lumière, voilà. Dans le bar aussi de... De comment que ça s'appelle de... Excusez-moi. De Neighborhood. Vous avez besoin de quelque chose? Hop. Je trouve que les lumières sont mieux, effectivement. Par contre, bizarrement, le jeu me semble un peu plus gris. Alors, est-ce que c'est moi? Oh, bonjour. J'attendais tellement plus de ma vie que ça. Oh. Je l'écoute pas quand elle parle de sa petite vie de merde, parce que j'aime pas ça. Hey. Ne vous laissez pas embobiner par les inepties de mon mari. Oui, si tu le dis. Alors. Je crois que j'ai assez bavardé pour aujourd'hui. Paul Pembroke, d'accord, donc c'est lui qu'il faut surtout pas que j'écoute. Osorn, Resident oui. Evil. Une fois en dehors du mur. Fix. Il ne serait pas long feu. Hop, Resident. Yefemo Vladim. Vadim. On sert meilleur torboyeur. Apparemment, il sera pas là. Paul et moi, on a un fils. Je regrette autre chose dans ma vie, mais pas mon petit Pete. Hop, bon bah c'est pas là en tout cas. Donc on va aller voir vite fait à l'espèce de bar avec le robot à Neighborhood. C'est marrant, il est juste à côté de... D'accord, intéressant. Bon à savoir en tout cas. Je suis désolé, j'ai atrocement mal à la gorge. Ah là là, hurler pour passer ses nerfs, c'est pas un bon signe.
Enfin, c'est pas une bonne chose à faire, pardon. Mon signe, ça n'a rien à voir. Hello! Relax, mec. Hop. Allons voir ici. Le spectacle, c'est au sous-sol. Alors, bonjour. Hey, nomade, nomade. Vous voulez un truc pour oublier vos soucis? Allez voir Fred. T'as fini de chanter? Ah non, elle commence, merde. Faut les avoir bien accrochés pour débarquer ici. Sympa le Pip-Boy, mec. Faites gaffe de pas le perdre. Oh, tu te calmes? Toi t'es toujours là, c'est cool. Vous avez déjà été chez qui, l'Orbikild? Ils ont des armes de malade. Bon, bah apparemment... C'est pas encore ça. Vous sentez ça? C'est le parfum de la liberté. Hop! Mais ce n'est pas grave. Vie et amour, Bingo. Je l'avais pas vu. D'accord. On le prend? Génial. Putain, faut vraiment les voir les bouquins, ils sont tout plats en fait. Hein. C'est limite des images en fait. Non, t'en fumes des cigarettes. J'ai presque cru que t'étais normal un instant. Si vous commencez à faire du grabuge. Alors. Progressons. Vous savez qui a viré toutes les goules de Diamond City? Ce connard de mer, McDonough. Il le paiera un jour, vous allez voir. Dès que je tourne au dos, j'entends plus, hein. C'est d'une violence. Le Pip-Boy. Vous avez tué qui pour en choper un? Ouais. Putain. Alors je sais plus c'était où, il y avait eu une bagarre. On m'a dit aussi que potentiellement ça pouvait re-arriver. C'est, on pose pas de questions. Donc préparons-nous. Apparemment c'est pas re-arrivé. On m'a dit aussi qu'il fallait que j'utilise un peu plus souvent les armes de corps à corps, face aux insectes hey. Surtout. Contre lesquelles elles sont apparemment très efficaces. C'est le gros dur. Par conséquent, il faudra se trouver une arme de corps à Qu'est-ce corps efficace. Est-ce qu'on n'avait pas une sur nous déjà de base? Non, rien du tout. Comme ça, les fringues. Le bang, c'est quoi le bang? Ah oui, d'accord. Je le mec qui les porte. Ok, bah tiens, on va aller voir à l'armurerie, là. Kill or be killed. Hey, copine. Toutes les armes que vous voyez là peuvent faire la différence entre la vie et la... L'artiste. Ah, donc nouvelle mise à jour de ça aussi, donc ça donne des petits symboles. C'est cool. D'accord, voyons ça. Chaque arme a été soigneusement testée sur quelqu'un qu'il méritait vraiment. Bon à savoir. Alors... Cran d'arrêt, couteau de combat, pour ça c'est pas très intéressant, je cherche quelque chose d'un peu plus balèze. Plasma pistolet, donc non plus. Point américain, non. Queue de billard, on m'a dit une queue de billard c'était pas mal. Peut-être autre chose de mieux, non? Oh. Officier, épée d'officier chinois. Valeur 175, j'ai bien quelque chose à te vendre en échange. Manta, psycho, hop, déjà ça, ça fait du mal par où ça passe. Hop, et je te donne 4 adix. Et je me fais même de l'argent, bah comme ça c'est cool. Hop, parfait. Vous me pompez mon espace. Donc, t'avais pas un truc normalement là? Bah pourquoi changement de caméra? Hop. Alors, épée d'officier chinois modifiée, lame électrifiée, lame dentelée et électrifiée. Ça peut être intéressant ça. Bon, quoi qu'il en soit, pour l'instant... Tiens, c'est marrant qu'il n'y ait pas encore eu de mode sabre laser. Enfin, en même temps, pour l'instant, les modes sont encore très... très très faible hein, ce qu'il y a à voir dessus. Hop. Alors je vais te mettre sur le 7. Et on va te sortir quand même pour voir. Merde, je me trompe de bouton comme un con.
Hop. Ça me semble pas mal. Ok, bon. Alors. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le scoop du siècle, l'appel, l'hiver, parler à MacReady. Station Andrew. Inspecter le musée de la sorcellerie. Eh, on n'avait pas un truc genre pas trop loin? Ça pourrait être intéressant. Voilà. Asile d'aliénés de personnes. Bah tiens, c'est juste à côté, pratique. Enfin, juste à côté, tout est relatif. Alors j'espère qu'il y a pas, il restait pas une personne. Waouh, c'est quoi ça? C'est super stylé. J'en veux un. Ça, c'est une arme de corps à corps. J'en veux un. Franchement, j'en veux un. Une tronçonneuse comme ça, une hache tronçonneuse, j'en veux une. Ça, j'en veux une comme ça, chers amis. Est-ce qu'il reste des gens? Apparemment, non. Bonne nouvelle. Hop. Ah, mais c'était pas genre hyper méga dur par là. Il aurait peut-être fallu attendre un petit peu. Rat scorpion! Dégage! Et d'un! Et de deux! Ok. Critique! Bam! Aïe! Tu vas crever, oui? Bah alors? Merde. Il est encore disparu, je crois. Je le vois plus. Voilà, il est tombé dans le caillou. Ce qui est possible aussi. Bon, moi, c'est pas grave. Bon. Il va vraiment falloir qu'on améliore cette arme de corps à corps. Hein. Donc il y a des rats de scorpions par ici. C'est bon à savoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Un pneu. Alors se rapprocher de ce genre de choses, c'est pas la meilleure des choses à faire. Oh oh. What? What? Aïe. Alors, on va avoir un problème. On va avoir un véritable problème. Le problème étant le suivant. Qu'il n'ira jamais assez loin pour que je puisse utiliser le Fat Man. Non! Ah, ça me tue direct! D'accord! Ah oui, c'est vraiment, t'as pas le choix en fait. Ah, c'est... C'est une catastrophe! Donc là, je vais me faire agresser. Ah.
Meurs, charogne. Mais Canigou, qu'est-ce que tu fais? Ce gel n'est pas méga efficace of the dead. Soyons honnêtes. La sulfateuse. Efficace. Et pour tout à l'heure. Parce qu'on va en avoir besoin. Ça l'a pas tué. What the fuck? Hop, coup critique. What? Et la glace? Et la glace? Tu vas brûler, oui. 41 points d'XP, c'est tout. Ah non. Ah non, il est là. Bidon d'huile, il est âgé. Oh, le pauvre, il se baladait avec un bidon d'huile. Bon, on l'a eu. C'est tout ce qui compte. Oh, nom de Dieu. Oui, je vous avais dit qu'il fallait pas s'approcher de ce genre de choses. Surtout pas. J'avais raison. C'est qui avait raison? C'est Bibi. Un écorcheur. Mais carrément. Là, vous voyez qu'il y a un PC avec des fils. Faut pas y penser. Du calme, c'était pas ma faute. J'ai fait ce que j'avais à faire. C'est quoi ce bordel? Merde. Y a plus rien. Mais oui, y a plus rien. Hein? On va s'éclater. Elle va me tuer. Elle va me tuer, elle va me tuer, elle va me tuer. Je dois avoir de la bouffe en plus. Ah. Tu fais une pause, deux secondes, je bouffe un coup. Et je te redis ça derrière. T'es sérieuse là au niveau des dégâts que je viens de lui mettre? Dégage, putain! Tu sens ça? J'ai pas le droit de la rater là. J'ai rien senti! Fais pas chier! Non! Blah! What? Bah, je suis rentré directement dans le sol. Bon. Alors, il semblerait que je ne puisse pas la tuer. Ah, pas si facilement que ça. Qu'est-ce que j'ai comme arme un peu plus puissante? La sulfateuse, ouais. On va essayer la sulfateuse, c'est pas grave. Elle aura beau me chercher de toute façon si je peux lui faire quelques dégâts de base. Ça sent l'embuscade à plein nez. Du bruit. Qui est là? C'est que du bruit. T'as vraiment vu quelque chose? Hein? J'entends quelque chose. Quoi? Je l'ai pas tout touché du tout. Ok, ça suffit les conneries. Qui est là? Je dois devenir dingue. Eh,
Hé, hey, qui est là? Y'a quelqu'un? Quel con, je viens de taper Canigou. Vous m'avez fait flipper pour rien. C'est rien. Hein? Alors, ça fait déjà un de moins. Faut être vraiment lâche pour se cacher. Mais oui. Dis ce que tu veux, j'en ai rien à battre. Putain, j'ai dû prendre un mauvais coup. Alors celle-là, c'est sulfateuse ou c'est sulfateuse? Je crois que j'ai... Hein? Toujours en vie? La vache. Merde, il m'a repéré lui. Aïe! Qu'est-ce qui m'a mis feu? Fumez-les! Bah comme ça je suis mort. Même pas. Fais pas chier! T'es coriace toi! Bon. Allez, coincez-les. Hop! Fais pas peur! Hop! Je commence à être chaud! Couvrez-moi, merde! Tire de couverture! Hop, merde! Attention, va y avoir du feu d'artifice! Oh merde! Hop! Elle s'est soignée? C'est rien! Rien du tout! Putain, y'a un robot? Y'aurait bien un robot! Hop les. Pierre vétéran, elle a récupéré toute sa santé, vous êtes sérieux? Ça va péter. Oh la grenade, oh merde. Bim. Hop, la grenade qui arrive derrière, ce big combat de la mort. Hop, et de 1. Pierre vétéran, mais il est en armure. Je rêve ou il est en armure genre armure de la mort. Je sors le fusil laser, génial. Alors juste pour voir, fusil plus sort cellule. Fusil laser cellule. Ça suffit pas. Putain, il a perdu un bouton d'armure. Merde! Putain, je l'ai pas vu me faire autant de dégâts d'un seul coup, quoi. Hop. On y retourne. On va y arriver. Jusqu'au boutiste, hein. Ou alors, on y va avec le gros calibre. Double tape. Hop, pique-toi Marcus.
touché. Putain, mais il se soigne aussi sec. Fais ça toute ma vie. Je crois que ce sera différent avec toi. Pourquoi j'ai si peu de chance de toucher son... Là. Ils sont balèzes. Nom de Dieu. J'aurais pas dû aller par là. Ils sont beaucoup trop balèzes. Qu'est-ce que je peux faire à part le Pip-Boy? Enfin, le Fatman, pardon. What? Grenade! Vous avez vu d'où est-ce qu'il me tire? Rends-toi, j'en finirai vite fait. Hop. Je le vois. Ah si, c'est bon. Juste à m'échauffer. Merde. Putain. Mais what? Attention, il va y avoir des feux d'artifice. Oh bah là je suis mort. Bah j'ai vu deux grenades arriver d'un seul coup, j'étais forcément mort. Qu'est-ce que je peux faire? Nom de Dieu, ils sont balèzes. Oh la gueule. What? Qu'est-ce que ce bordel? Oui, il valait mieux que je meure, je crois qu'il y avait un gros bug. Oula, je me trompe de truc. Hop. Ah bon. Toujours en vie? Où il est passé ce connard? Ok, on va essayer la fuite, hein, c'est pas grave. On va pouvoir t'en sortir, hein. Oh, tu me saoules. Respecte mon autorité. What? Mais celle, tu m'aimes pas. Ça le tue même pas. Une bombe, une mini-bombe nucléaire dans la gueule ne le tue pas. Putain, il est juste là. T'as perdu ton casque. Putain, dommage, j'avais réussi à lui faire perdre son casque. D'accord, donc on va le faire comme ça. On va le faire comme ça, on va le défoncer au fur et à mesure, hein, c'est pas grave. Il ira bien par être à court de munitions. Danger! J'ai plus de grenades. Merci. Hop. Si je passe à sniper.
Aïe. Ah, je peux plus du tout. Ah, d'accord. Intéressant. Ok. Ok, on va prendre une bosse et un petit peu d'eau. Hop, voilà. Petite sauvegarde rapide. Et putain, mais il a même pas réagi à la, il a même pas réagi à la balle. Ça qui est dommage. Il devrait réagir à la balle. Une balle dans la tête, il devrait forcément réagir. Encore plus une balle de sniper. Mais what? Attention, il va y avoir du feu d'artifice. Mais ça... Appelez. Pam 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 pam. On va pas y arriver. On en chie, chers amis. C'est le combat de la mort. Mais what, il s'est soigné? Dans ta face, Minus. Non, je l'avais eu. Je l'avais eu, c'est faux. Putain, tant bien que mal. Donc faut dire que techniquement, le sniper fait plus de dégâts que le Fat Boy. Ou le Fat Man, pardon. Je vais y arriver. Blam, bah comme ça c'est clair. Ah, il y a des ratés, des lancers qui sont ratés, mais oh les longs, la gueule de ce combat quoi. Bah par contre, alors ça c'est pute. Ça c'est très très pute, chers amis. Ça franchement, j'ai rarement vu aussi pute. Et ben voilà. C'est la fin. Allez bien, c'est bientôt la fin. Alors comment j'ai pu avoir une sauvegarde rapide à ce moment précis? Bon alors je me dirige pas dans la bonne direction, je sais pas. Ah non, c'est la mort à chaque fois. Hein. Est-ce qu'il faut que je me soigne? Peut-être. Je voudrais pas avoir à toggle le God Mode. Ah non, ça veut pas. Hein. Ah non. Non plus. Non plus. Alors. Voilà, bon. Merde. Ah bon? Hop. Juste un instant, hein, c'est juste histoire de se barrer de cet endroit de merde. Voilà. Voilà. Forcément. Hop.
Et on en refait une sauvegarde rapide rapidement. Oh, attention, il va y avoir du feu d'artifice. Tu vas crever, t'entends? Je pourrais te dire exactement la même chose, tu sais. Ah, F10. On va y arriver, hein. J'en ai rien à foutre, on va y arriver, chers amis. Fumez-les, juste à m'échauffer. Elle part trop loin. Oh non! Comment elle a pu faire ça? On la voit partir en hauteur, elle tape contre quoi? Putain! Oh non, elle a chaille! Putain, faut que j'arrive à buter les petits soldats. Prends ça! La suite dans l'idée. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mais non! Donc faut que je change d'arme, que je bute les bonhommes. Hop, alors. On y va. Et hop, je suis mort au Nico. Ah! Attention, il va y avoir du feu d'artifice. Hop. Je l'ai raté. Je suis encore blessé au niveau de la tête. Oh putain, puis il se barre en plus. What? Canigou, fais quelque chose! T'as de la suite dans les idées, toi! What? Il était loin derrière, cette grenade. Pour ceux qui se le demandent. Oui. Ça commence à me saouler. Non, te régène pas. Bla. Ah bah d'accord. Comme ça c'est clair. On va y arriver. Oh mais non. Putain! J'ai plus rien à voir à la fin, c'est d'une violence. Fusil de précision! Non d'ailleurs. Fusil de précision, hein, je tiens à préciser. Donc normalement, grande précision, VAT, enfin SVAT avec une précision améliorée. Prends du coup. Ça. Je meurs. Voilà. Bon. Voilà. Respectez ma putain d'autorité. Ok, bon, bah ça nous aura coûté de l'argent, ça nous aura coûté aussi des munitions, ne pas savoir quoi en foutre, et il nous reste encore une tourelle. Quoi?
Pousse-toi, Canigou. Mine à capsule, putain, si j'avais su. Hop. Commande de tourelle. C'est ça qu'il leur fait que je fasse dès le début, en fait. Désactiver. Voilà. Cartouche. Putain. Putain. Oh, on en aura chié. On en aura chié. Oh putain, il en reste un là-bas ? Et c'est un légendaire, mais bien sûr. Il me verra ou il me verra pas d'après vous ? Oh putain. Oh putain. Je suis pas assez rapide. Hop. Ennemi légendaire a muté. Si tu pouvais éviter de te barrer par contre, ce serait cool. Surtout si c'est pour t'approcher de moi en juif. Hop. Il n'empêche qu'il a muté, je vais pas m'en approcher. Raté. J'aurais pu l'avoir. Allez. Il va reprendre sa marche. Raté. Raté aussi, merde. Je suis mauvais, oui je suis mauvais, c'est ça. Pas d'autre terme. Raté. Hop, touché. Il tire sur n'importe quoi en fait, hein, c'est la peur. Raté. Salaud. Je prévoyais son mouvement et... Salaud. Putain, je suis mauvais. Blah. Il est encore là. Il est juste là. On y voit encore les flammes. Ou alors je me trompe. Je me trompe ? Non, parce qu'on voit plus les flammes. Qu'est-ce qu'il fait ? Je suis mauvais, je suis mauvais. Mets-toi à couvert, t'as raison. Hop les. Alors j'avais dit que les légendaires c'était là pour donner plus de piment. Là je pense que j'ai pas pu me tromper.
peut-être plutôt ces flammes là qu'on avait vues en fait. Oh, c'était pute ça. Franchement, ça aurait été pute. Cartouche. Compact, carabine de combat. Jambière gauche synthétique. Oh, intéressant. Vache, ouais. Écoute, on va la prendre. Tes munitions aussi, on va les prendre, hein, parce que voilà. Wouah, ben on en a chié, hein. Nom de Dieu. Alors pour la forme, on va rejoindre... C'est un abri anti-nucléaire. Il y a eu un tir, hein. Ah non, c'est pas un abri. C'est une zone de... Enfin, c'est un stockage de trucs nucléaires, justement. Hop. Oula, ça c'était moche. Ghoul sauvage, mais le problème c'est que si elles sont aussi. Hop. Hop. Et c'est parfait, on les a eu. Donc elles étaient tout aussi intuables que les autres. Hein. Alors. Hop. Ok. Est-ce qu'on peut dormir 2 heures? 3 heures, 2 heures. Hop. On en chie, chers amis. C'est par là, c'est pas du tout le bon endroit pour venir. What? Oh, le band du soldat Hart, d'accord. Alors, j'ai envie d'aller voir ce que c'est que ce truc-là. Pourquoi il appelle Dirty? Oh, il est intéressant pourtant ce casque. Pourquoi il a un truc à l'arrière avec un bouton? La part du diable. Intéressant. Oh, excusez-moi, j'ai pas remarqué que vous étiez une femme. Bonjour. Donc là, il y a une entrée. Ok, intéressant. Intéressant. Alors, visitons la maison rapidement. Rien du tout à trouver là-dedans, c'est génial. Faut quand même vérifier comme il faut. Non, rien. Bon. Eh ben, on en aura chié, chers amis. On en aura relativement chié. Et je dis relativement juste pour faire genre. Hop. Un albinos. J'ai, à vrai dire, j'ai tiré dessus en me disant, c'était sans doute une des bestioles, vous savez, comment dire, une bestiole, vous savez, un petit peu légendaire, un truc comme ça. Je suis peut-être trompé, à vrai dire, hein, mais je suis pas, je le préfère mort, à vrai dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Il est légendaire celui-là. Seriously. Canigou.
Ne touche pas à Canigou. Ressens la puissance du caillou. Il a muté. Pleine tête. Tu devrais te les geler. Il devait se les geler. Pourquoi ça a pas marché? Gah. Vous savez quoi? Cette zone me saoule. Cette zone me saoule. J'étais censé le geler. Le pistolet gel les gèle normalement avec un coup critique. C'est pas peu gelé, c'est gel l'adversaire, on est d'accord hein. Et congèle les cibles en cas de coup critique. Il aurait dû le geler. Il ne l'a pas fait. Téléportation, on retourne. On retourne où d'ailleurs? Tiens, où est-ce qu'on va aller? Tiens, on va aller à Good Neighbor justement, tiens. On va aller se venger sur le robot là. Putain. Ah, c'est dégueulasse. Ça aurait dû le geler, j'aurais pas dû crever. Non, c'est faux. Le canon de bordée est la réponse à l'éternelle question. Est-il jouissif de se balader avec un canon portatif pour tuer des gens? Oui. Oui, oui. Tout à fait. J'espère que vous allez acheter quelque chose. Je mets pas tout ça ici pour la décoration. T'inquiète pas, je vais te piller ton magasin. Troqué. Voyons ce que vous avez. Meurtre et dés... Ok. Alors, je vais rien dire sur le fait que tu m'aies vendu de la merde, hein. Tiens, d'ailleurs, tiens, infligé par les robots, tiens, pour ta peine, tu le bouffes, hop, et tu me donnes tout ton fric, parce que je vais en avoir besoin, putain. Entre les munitions, les machins. C'est le parfum de la liberté. Parfum de la liberté, ta gueule. Tiens, il y a un truc, là. C'est rien, ok, c'est cool. Wolfgang, t'as que de la merde sur toi, génial. Vous savez quoi? Après un truc pareil, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez tous ce que je vais faire. Vous savez tous ce que je vais faire. C'est en bas que ça se passe. Dérangez pas les autres clients. Non. Vous avez un passé à oublier? Bienvenue au club. Ah putain, j'ai loupé. Vous avez déjà été chez Killer Be Killed? Ils ont des nomades. Hop. Voilà un beau siège. Je vais prendre la pilule bleue. Non, je vais surtout attendre une heure, on va bien voir. Si elle chante toujours au bout d'une heure. Putain, elle chante longtemps. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Je pensais que ça allait me faire l'attendre tout seul. Je suis con. Hop. J'ai une partie d'échec. Putain, j'ai plus de voix, c'est horrible. J'ai mal à la gorge quand je parle. As-tu fini de chanter? Pompez mon espace vital, monsieur. Mais... T'as dit quoi? Ils sont pas mal là-dedans. Vous sentez ça? C'est le parfum. Mon client était ravi que vous ayez réglé son problème de rein. Maintenant, si vous voulez quelque chose à voir, allez-y. Je vous écoute. T'as pas un bouquin derrière toi ou un truc dans le genre? Une connerie? Je serai là pour te protéger. Peut-être plus tard. Les bouteilles, c'est fait pour boire, pas pour regarder. Bien dit. Tiens, d'ailleurs, au niveau de tes alcools, on va aller voir les différentes bouteilles que t'as.
Vous avez un passé à oublier ? Tiens, hé, regardez ça, chers amis. Tiens. Bataille ! Combat de bar ! Tiens, regarde. Hop. Laissez-moi y réfléchir. C'est fait pour boire, pas pour regarder. Qu'est-ce t'en sais, t'es un robot. Hop. Plus c'est que de la merde ce que tu vends. Tiens, bam. Tiens, bam. Hop les. Ah, vous revoilà. Je suis à votre service. Oui. Crac. Tiens, regarde, t'as un verre dans la main ? Je peux pas lui piquer le verre pendant qu'il est dans la main. Dommage. Excusez-moi. Salut. Dommage. What the fuck ? C'est de la drogue ? Quand t'es là-dedans, t'es drogué ? Il y a une porte. Ça. Les gars m'ont payé tellement de verres que je me souviens plus. Quoi ? Non, je fais pas de chute. Il y a une porte. Là, chez moi, il y a une porte. C'était elle qui me voit en fait. On va attendre qu'elle aille au bar. Allez. Cette chanson est pour une personne très spéciale dans le pays. Oh, c'est sans doute pour moi, ça. Je sais qu'elle se reconnaîtra. Qu'est-ce que ce sera ? Été ou et ? Été. En. Ça y est. Personne ne m'a vu faire. Trop cool. Ok, il y avait quelque chose d'intéressant ou pas là-dedans ? Pâté pour chien, grille-pain. Ouh, oui. Ouais, enfin bon, c'est pas épique non plus. Hein. Allez, je te le laisse parce que je t'apprécie, robot. Et surtout parce que j'ai autre chose à faire. Oui ? Yo ! T'es libre, man. Hey, Magnolia. Vous avez besoin de moi, Trésor ? Oh, c'est pas un besoin. Vous croyez que je pourrais vous kidnapper ? Le temps d'une soirée ? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Vous croyez que je pourrais vous kidnapper ? Tu te répètes. Parlez-moi de vous. Comment vous avez fini ? Allez, une discussion vu que je me suis pris devant. J'avais besoin de chanter. Et Whitechapel Charlie avait besoin de clients. C'est aussi simple que ça. Oh, j'ai atterri ici comme tous les oiseaux égarés du monde. Vous vouliez autre chose ? Oh oui. Vous croyez que je... Ah, elle veut pas, hein. Bon bah non, rien. Rien. Dégage. Allez, salut les viewers, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Je sais pas pourquoi j'ai fait salut les viewers, hein, mais bon. De toute façon.